Je sais même pas l'avoir dicté, monsieur. Je te permets. L'ancien rappeur et activiste Boom Pins a rencontré le général Brice Oligingema lors de sa visite au Congo. C'est une nouvelle plutôt géniale, non? Pour ceux qui ne connaissent pas Boom Pins, c'est lui qui a chanté ça en 2009. Je suis un villageois, je n'aime pas la grande ville. À chaque fois que j'y vais, je me sens en exil. Ma forêt me manque, ma chasse ma pêche. C'est aussi lui qui a fait ça en 2016. Mais dites à mes enfants, vous qui me regardez, il était temps que je le fasse. Vous vous serez libre, vous arrêterez d'être mal payé et mal logé. Parce que moi je donne ma vie aujourd'hui à Libo. Je refuse qu'un Kombessi vienne se moquer des Gabonais. Moi je refuse qu'il n'a pas de papier. À Libo, on n'a pas de date de naissance. Et ça vous le savez tous. Mais c'est la deuxième chose qui l'a poussé à fuir le pays en 2016 après l'élection qui a vu Ali Bongo déclaré vainqueur. Ce dernier a exprimé son envie de revenir au pays sans manquer de rappeler qu'il a tout perdu et qu'il ne souhaiterait pas se faire arrêter une nouvelle fois. Le général l'a rassuré sur cette inquiétude. Le plus important, c'est d'avoir de l'entrée. Dans le reste, ça peut se voir. Il ne faut pas me bloquer quand je vais voir le président.